Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chitatan des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info. Quel que soit votre branche, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. C'est toujours un grand plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelles Parole. Après, dans MUPANA, Musée Panthéon National, là, hier, eh bien, journée mercredi, donc c'est dans la ville au Cap-Haïtien, dans la mairie au Cap, là, côté, eh bien, la mairie au Cap, autorité locale, a été organisée une cérémonie hommage dans mémoire défunt chef l'État Jovenel Moïse, qui gagnait eh bien, pour funérailles nationales, les chanter dans la ville au Cap-Haïtien. Journée vendredi 23 juillet qui a venu là. Entre temps, magistrat au Cap-là, Yves Rose-Pierre, ben, il lance un appel, vibrant appel, by tout citoyen dans la ville au Cap-Haïtien pour aider le qui ça est capable de faire, puisque situation grave dans la ville au Cap à cause de la ville là qui, ben, baigné avec fatra de la tête aux pieds, eh bien, les paroles qui Jean Yopral accueilli et donc cérémonie funéraire nationale chef l'État dans la ville ça qui remplit Akfatra. Donc il lance un gros appel à tout le monde dans la population au Cap là pour aider faire une opération coup de poing pour que Jean était capable bail ville là un autre visage. Entre-temps gagné gouvernement Ariel Henry qui lui-même qui remplacé Claude Joseph qui est donc prend place li ayer qui prend poste ayer donc li ben fait connait première priorité li gagnent c'est question sécurité élection et puis avec justice pour Jovenel Moïse donc Claude Joseph lui-même qui allait donc il fait connait priorité pâle mais c'est permettre yo arriver arrêter mettre main en pas de cassave tout ben gros criminel, petit criminel, moun ki c'est criminel intellectuel, yo même qui te voyé exécuter président République la Lakayli nan date 7 juillet passé nan pèlerin 5. Entre temps, enquête yo a continué nan niveau police nationale d'Haïti a gagné directeur général à IPNH la qui annoncé gagné 3 nouveaux moun qui joignent arrestation yo nan cadre enquête kap mené sous assassinat qui fait sous chef l'État parmi yo gagné deux policiers qui ont même eh ben d'après toute information yo qui étaient participé dans réunion complot eh ben pour tal assassiner chef l'État. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours content rejoindre nous pour nous présenter l'édition nouvelle ça nous préparer pour Jean nous annoncer lui après cérémonie hommage qui était faite en mémoire chef l'État journée mardi à dans musée Panthéon national là dans Port-au-Prince journée mercredi c'est dans ville au Cap autorité locale dans ville au Cap la mairie au Cap t'a organisé une cérémonie hommage côté yo t'a metté un registre yon cahier et ben côté moun t'est capable et ben vinn signer non yo pour dire chef l'État au revoir donc yon registre signati pour dire chef l'État au revoir donc cependant nan niveau préparatif yo an yen poko clair donc pour d'après responsable la mairie en ville au Cap-Haïtien donc li dit qui fait connait ben ville là li sale tant coup peintidan et ben c'est ville ça qui doit accueillir toute qualité monde toute qualité personnalité seulement environ 48 heures dedans avant Yovin et ben chanter funérailles nationales chef l'État donc dans ville au Cap-Haïtien donc et faut que nous dit où et ben c'est bon côté papal et chef l'État yo ta doué al enterrer nan yon caveau yo sa rele un mausolée donc nan localité Madeline donc Kishita nan banlieue ville au Cap-Haïtien donc agent exécutif mairie au Cap là madame Yves Rose Pierre qui t'a parlé nan la presse locale donc journée mercredi à environ seulement 48 heures dedans avant funérailles président Jovenel Moïse là donc il fait qu'on est c'est dans la presse même gens avec tout le monde li apprend funérailles chef national chef l'État donc a bien pour le chanter dans ville au Cap Haïtien donc malgré démarche li dit li mené bon côté autorité centrale yo dans gouvernement rien pas marché donc c'est avec ti moyen que yo gagné dans niveau local dans mairie li fait ça le capable. Donc, Madame Yves Rose Pierre, agent intérimaire, ville au Cap Haïtien, agent exécutif, ville au Cap Haïtien, il lance un vibrant appel, un vibrant message, by toute autorité, tout citoyen en ville au Cap Haïtien,
mais pour aider pour qui gens yo capable faire une opération coup de poing pour aider mais déblayer ville Akfatra la veille enterrement la veille funérailles nationale chef l'État. Nous invitons à écouter déclaration Yves Rose Pierre qui c'est agent exécutif ville au Cap-Haïtien. Vendredi dernier, nous-mêmes comme commission communale, c'est tant que tout le monde nous a appris funérailles président fait au Cap-Haïtien. Nous avons fait le devoir et moi relé le premier ministre sortant qui c'est monsieur Claude Joseph, moi relé pour me dire que moi apprendre dans journal enterrement président fait au Cap, mais état ville au Cap hier, il t'a demandé une grosse opération coup de poing, les opérations coup de poing, faut avoir une coalition, un jumelage d'institutions qui fait des flottes de matériel qui rentre dans la ville là pour nettoyer la ville là pour préparer funérailles président et tant que SNGS, TPTC, CNE parce que j'en ai tout là qu'on est côté entièrement pour le chanter c'est la caille papa président et route là c'est une route qui est abattue et nous avons dit dans la même route là c'est là quelques institutions font site de charge qui veut dire faut que tu aies rangé route là faut que tu aies électrifié lui. Il faut que tu aies pile préparation qui fait. Et il dit, si je ne suis pas au prince, je dis non. Et je dis, si je ne monte pas au prince, je n'ai pas un problème. Mais effectivement, je ne monte pas au prince. Je ne monte pas au prince, je dis, je ne vais pas monter pour quoi je monte avec délégué. Je ne vais pas au prince, effectivement. Et le premier ministre Claude Joseph fait nous rencontrer avec DG ONA. Je suis avec DG ONA, il explique nous que l'inanfin et l'année fiscale là, le budget est déjà épuisé. Même si il fait maillot, banderole, etc. Mais il dit quand même, et il a fait un geste avec mairie au Cap pour participer dans le nettoyage de là en termes de décoration pour nous faire préparation. Mais tout ça toujours, mairie a encore jamais gagné un centime dans la main et pas jamais gagné matériel qui rentrait au Cap parce que matériel mairie a gagné, il n'y a pas suffi pour nettoyer la ville. Et nous connaissons TPTC lui-même tout, il y a carence matériel, pas de gaz, c'est de temps en temps pour nous bailler ni SNGRS et non, ni TPTC gaz, en façon pour permettre pour nous comment nous devons assainir la ville. Et dans le moment où on a parlé là, hier, moi passé la caille et papa président même yon ba ale pour qu'on passe dans la cour sinon que stand moi k'ap fait. Avec mausolée qui a fait dans de la cour. Et travail qui était dans le centre-ville là, pour tout aller, c'est un travail gros point. Et c'est ça que nous demandons tout le monde au Cap, tout le monde dans le pour tapoter coller avec mairie. Parce que mairie n'a pas gagné capacité pour organiser et funérailles président. Enquête sous dossier assassinat qui était faite sous chef l'État là dans le 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé a gagné et directeur général AI police nationale d'Haïti Léon Charles qui annonçait gagné 3 nouveaux mounes qui joignent arrestation yo parmi yo 2 policiers qui participaient mais dans complot pour assassiner dans réunion complot ça qui était faite pour assassiner chef l'État d'après DGPNH là Léon Charles, des policiers Sayo, c'est Bonnie Grégoire avec Clifton Hippolyte. Donc, sous plan administratif, DGAIPNH là, Léon Charles précisé, inspection générale la police là, réalisé 45 auditions, gagné 23 mesures conservatoires qui prend compte policiers, parmi eux gagné 7 policiers qui placés en isolement. Donc parmi les policiers ça rejoint Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Jean-Charles Elie avec Gentil Hubert. Donc nous invitons à écouter déclaration directeur général à IPNH là Léon Charles. Dernier président Sokolcher, il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuent. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et un autre citoyen, il est Dominique Auvin. Dominique Auvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Véria et réunion ça a été faite la caille pour 20 ans qu'on a arrêté déjà. Et toute information ça a été confirmé, nous collectons après l'analyse déclaration à ça. Nous présentons nous là Dominique Auvin qui sous contrôle la police et en détention. Après ça, la justice lance 8 mandats d'amener et 2 là-dedans qui déjà exécutés. Nous avons un mandat contre Mario Antonio Palacios. Palacios, c'est un assaillant qui en fuite, qui en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascard Joseph Pierre. Ascard Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir assaillant, soit dans l'aéroport, soit dans le poste constatier.
Information qui est sur lui après mandat, monsieur qui est un réfugié aux États-Unis, il nous est en route à celle et nous demander aux autorités judiciaires aux États-Unis pour qu'ils collaborent avec nous pour être capables d'appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter l'auteur, mon type dangereux, qui était exécuté, qui t'a suivi comme entité opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a dit. PNH a demandé collaboration à toute population pour nous capables le plus vite possible de mettre l'examen en bas côte. Mandat pour Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Veil. Nous avons cherché Gordon Fénil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des mondes que nous gagnons sous contrôle, dont dernier c'est couvert. Nous avons arrêté 26 personnes, il y a pile l'autre monde que les épisodes ont cherché. Nous fouillons 13 résidences, et il est important pour me citer là, c'est résidence, il y a une résidence John Joel Joseph, 3 résidences Joseph Félix Badjo, résidence Rinaldo Corvin, une entreprise qui appartenait à la famille Jean, un autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel, on l'autre domicile de John Joel Joseph qui est dans 83 et on l'autre hôtel qui est les Villa Rose Pelgrin 2. En tant que résidence, nous saisissons un paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils parmi lesquels il y a une sésame la police, 14 pistolets qui sont dans ces armes la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et 23 mesures conservatoires qui ont pris à l'encontre de policiers, dont 7 qui placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans le cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches de calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone et bon, décider ça déjà. Pour finir, Brady, rapidement, nous joignons en pile auteur physique, on travaille sur auteur intellectuel, l'enquête l'a continué avec un pile persévérance. La police a mis des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol. Et on a travaillé sous pour chercher qui est-ce qui était par corps pour faire toute grosse opération. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous avons entré ici, un petit groupe, pour l'autre entrée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un corps pour faire le financement. Ça. Gagner infiltration dans la police, il faut qu'il y ait un corps pour faire ça. Gagner recrutement, c'est CTU. Il y a un corps, il y a payé les gens, chaque négocié pour mon temps pour être touché. Il y a des contrats qui ont été signés avec Mounio pour mon temps. Donc ça veut dire qu'il y a un financement avec, nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça, Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui a collecté corps pour bail, parce que ça non. Information là, nous en phase pour nous exploiter tous les matériels que nous avons saisis pour nous capables de retracer, remonter à hauteur intellectuelle assassinat ça. L'autre information, Dr. Ariel Henry qui joint si pour communauté internationale là à travers ce groupe là dans le pays d'Haïti installé dans Postli journée et Madia dans Port-au-Prince dans un niveau primatia comme nouveau premier ministre ensemble avec tout membre gouvernement. L'a dirigé à cérémonie installation ça a été déroulé dans local primatia sous bicentenaire. Dans discours circonstance là, nouveau chef gouvernement Ariel Henry promet pour établir l'ordre, rétablir l'ordre et sécurité dans tout territoire pays d'Haïti, de façon pour toute activité économique yo capable de reprendre dans le pays. Sous question crise politique qui a brassé le pays, depuis un bon bout de temps, Ariel Henry invite toute force vive nation pour mettre tête ensemble pour joindre une solution durable pour mener une élection libre, honnête et démocratique. Nouveau chef CSPN, Ariel Henry, donc qui était prononcé le tout sous assassinat président Jovenel Moïse là,
mais promettre li pral travail pou bay président Jovenel Moïse famille avec toute nation justice face avec assassinat crapule ça yo fait sous chef l'état. Nous invitons à écouter déclaration Ariel Henry qui c'est nouveau premier ministre pays d'Haïti. Nous condamnons avec la dernière rigueur ce crime inqualifiable qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous mes sincères condoléances et je souhaite à la Première Dame, Madame Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps que dans notre pays, personne n'avait osé attenter à la vie du président de la République. Ceux qui ont renoué avec cette pratique barbare devront payer de leur forfait. Oui, tous les coupables, auteurs et commanditaires devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'attend pas moins de ses dirigeants. Plus jamais nous ne devrons vivre un tel drame. Comme je l'ai exprimé dans mon adresse à la nation, dans les jours qui viennent, je vais recommencer mes rencontres avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. C'est dans un contexte de polarisation extrême et de difficulté pour les différents secteurs de la société haïtienne à se parler que nous devrons trouver et mettre en œuvre une solution durable à la crise multiforme à laquelle nous sommes confrontés. Toute question qu'à discuter. Sans baigner et baigner sans cacher l'ombre. En étant démocratie, élection avec état de droit, pas négociable. Nous ne pas mettre en tête, nous, n'a résoudre tout problème pays à un petit bout de temps, nous vient devant nous. Mais, avec collaboration toute démocrate, nous avons créé une condition pour réaliser une bonne élection dans le pays. Pour raison ça, il faut que nous rétablissions confiance, rétablissions l'autorité de l'État dans tous les quatre coins du pays. Et puis, empêcher les agglomérations de continuer à déchirer le petit peuple. Il est indispensable. Les citoyennes et les citoyens fassent de nouveau confiance à notre système judiciaire. Il est également important de mener une lutte sans merci contre la corruption, la contrebande et les trafics illicites en tout genre et de revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques. Mon gouvernement fera tout ce qui est possible pour créer un environnement favorable pour une reprise de l'économie et pour attirer des investissements dans le pays, créer des emplois et garantir des perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Nous étions chapeaux, nous baissons bien bas devant tout le monde, femmes ou garçons, qui victimes en bas des actes violents, en pile monde mourir, bien qui blessés, le médicaire. À tout bien. Que piller comme bien sûr, machine yo boule. Yon pile moun s'est obligé de quitter côté à vivre là avec toute tête sagée que ça la cause. L'une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la population l'assurance que nous mettrons tout en œuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque, car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir sur notre sujet de préoccupation qu'est l'organisation d'élections crédibles, honnêtes, transparentes et inclusives.
publiquement et solennellement, je m'engage aujourd'hui à m'acquitter de cette noble mission. De concert avec les forces de l'ordre sur le terrain, nous allons nous atteler à créer un environnement sécuritaire, fiable et stable en vue de faciliter la reprise des activités politiques en toute sérénité à travers le pays et de favoriser une participation massive, la plus élevée possible, des citoyennes et des citoyens en âge de voter. Premier ministre a il démissionné à Claude Joseph qui lui-même bail postli qui passait postli à bail premier ministre Ariel Henry et qui rete comme ministre affaires étrangères dans le gouvernement Ariel Henry. Donc monsieur fait connait lui-même mais puis gros tête chargé li gagnen c'est rivé ouais ben côté capable poser la patte sur toute hauteur intellectuelle, toute complice, tout monde qui était participé nan exécuter crime crapulé ça crime odieux ça sous chef l'état Jovenel Moïse dans date 7 juillet passé à la Cali nan pèlerin 5. Zami téléspectateurs, zami internautes, faut que nous disons pendant eh bien information yo actualité assez assassinat président Jovenel Moïse qui kembe pendant environ 15 jours déjà là. Eh bien question insécurité à lui-même il continue à faire vague dans divers quartiers populaires dans Port-au-Prince divers quartiers yo et surtout dans Matissan déjà eh bien et c'est avec en pile difficulté et mais ça fait 2 mois déjà donc moun pour moun rivé traverser et sorti Port-au-Prince pour traverser Matissan pour aller vers 4 départements Grand Sidio ou bien ou sorti dans 4 départements Grand Sidio pour traverser Matissan eh bien déjà si ou prend chance ça eh bien ou met tout marché accès kayou puisque ou joine dans route là c'est avec 90% eh bien chance pour joindre Devenpau ou joindre MSC assassiné ou assassiné qui doit passer dans bus qui doit passer dans motocyclette qui doit passer à pied. Donc Ariel Henry premier ministre qui fait monter il promet il va attaquer problème insécurité à dans racine ni d'après ça il fait connait pour pacifier pays à en tout cas il gagne du pain sous la planche li. Entre-temps, problème gaz là lui-même, li a continué dans Port-au-Prince dans pays d'Haïti côté c'est avec gros difficulté et ben pour joindre un petit gasoline essence pour mettre dans machine tantôt c'est rare pompe pour ca joindre une pompe qui a bail gaz et si la bail gaz et ben ouais c'est zanmi yo c'est équipe galon jaune ouais qui rassemblé donc c'est raquette pour faire même dans pompe là pour joindre 2-3 gallons gaz avec moun qui est tout autour pompe là qui a fait question sécurité service l'ordre etc. C'est un gros raquette même pompicio ces bagailles nous vérifier n'a pas là pompicio et ben qui ont même dans raquette et ben pour yo bail un petit gaz chaque nombre de gallons yo bail et ben yo mandé quelque dans pompe ça yo que nous vérifier mandé un pourcentage et ben ou même pour payer yo pour yo baou ti gaz ça le reçu joignon pompe qui a bail ti gaz là et entre-temps galon jaune bidon gaz yo tout partout dans Port-au-Prince côté machine pas ca joine gaz là dans pompe et ben et bidon jaune yo monsieur qui a motocyclette yo qui a tout partout avec bidon jaune yo bail et graisser patte en bas pour joindre gaz là tout yo empêcher machine yo joindre gaz dans pompe yo et bien yo même yo joindre ni et puis y a vendre ni et ben a pris et disons tête nèg tout côté dans la rue Port-au-Prince qui c'est arrêbo pompe yo qui c'est dans la rue donc c'est tout partout dans la rue Port-au-Prince pendant pas gagner gaz dans pompe yo et bien gagner gaz là tout partout dans la rue Port-au-Prince donc côté la vie tout monde exposé avec question marché gaz ça qui blaye tout partout dans la rue Port-au-Prince. Qui les amis téléspectateurs, amis internautes, eh ben a gagné l'état qui pour mettre l'ordre dans des autres ça qui gagne dans gaz là. En tout cas, nous pas gagne réponse à question ça. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec session information ça. Nous remercions pour écoute ou attention. C'était amis frères, mais info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.